J'étais à 600 € de course par mois et là je suis passée à 150 € de course par mois en moyenne. Alors moi je fais une liste de courses comme tout le monde, hein, ce qui manque dans le frigo, dans les placards, etc. Par rapport à cette liste de courses, je vais regarder les promos qu'il y a sur mes magasins. Je vais regarder les bons de réduction que je vais pouvoir aussi appliquer et les applications de remboursement. Voilà, les applis qui vont pouvoir me rembourser et je vais calculer le prix de départ du produit en déduction, bon de réduction, application, le prix final. Je vais comparer si il vaut mieux prendre ce produit-là ou le premier prix. Donc là, on se trouve, c'est sur un, vous allez sur un site internet de réduction, c'est ça? C'est ça, où on peut imprimer des coupons de réduction pour pas mal de produits. C'est tout à fait gratuit, hein. On a juste à s'inscrire en fait dessus et on a tout ce qui est coupons de réduction pour pas mal de produits. Hein. Hop, et voilà. Donc là, présenté en caisse, il y a à peu près 5 € de bons de réduction qui seront déduits directement de ma facture. J'en ai déjà que j'ai récupéré en magasin. Donc ceux-là, ils sont valables entre 6 mois et 1 an. Et après ma liste de courses, je vais la mettre dans le premier compartiment avec mes bons de réduction, ma carte de fidélité, et puis c'est parti. Alors je vérifie si c'est le bon produit où il y a un remboursement tout simplement. Donc je scanne le code barre et ça va me marquer si c'est une offre éligible ou pas. Allez. Donc, hop, offre éligible, hot dog, 1 € de réduction sur un article. Donc là, c'est le bon produit, donc je vais le prendre. Là, sur cela, donc j'ai un bon de réduction de 80 centimes pour l'achat de 3 produits. J'en ai un de remboursé sur une application. Donc vu qu'il a 97 centimes, c'est comme si j'en payais un. On vérifie. Donc là, c'est bien celui-là. Donc 50% si j'en prends deux. Donc j'en prends deux. Je passe toujours ma carte de fidélité parce qu'il y a des remises sur la carte. Merci. Il y a 108,33 € de produits en déduisant les applications, les bons de réduction. La cagnotte fidélité, je suis à 32,43 € en prix de revient. Clairement, quand il y a de bonnes offres, là j'en ai pour 6 mois, voire 1 an, mais c'est quelque chose que je ne vais plus racheter du tout dans l'année. Donc ça va déjà libérer sur mon budget du mois d'après. Pour la lessive, pareil, tout ce qui va être gel douche, c'est la même chose. Donc c'est des produits que je ne vais pas acheter plein pot. Je profite de la promo justement pour le payer le moins cher possible. Alors là, je vais demander le remboursement sur les applications. Je photographie mon ticket de caisse. Je suis remboursée ou sur mon compte bancaire ou sur PayPal. Je peux choisir ou l'un ou l'autre. Sous 48 heures, 48-72 heures. C'est mon groupe Facebook. Que vous avez depuis 4 ans. C'est ça, où je partage tous mes bons plans. J'ai commencé tout petit, juste avec mes amis et ma famille, pour pouvoir leur partager ce que je faisais, pour pouvoir économiser. Et puis ça a pris de l'ampleur et le groupe a grossi tout simplement. Et on est à 40 000 membres. Il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de personnes qui rentrent dans le groupe par jour. Je dois avoir une centaine de personnes qui doivent demander à rentrer dans le groupe. Depuis, on va dire, bien 3 semaines, 1 mois, on voit que les gens, avec les augmentations un petit peu partout, essayent de faire des économies au maximum sur pas mal de choses. Et l'alimentaire, c'est un gros budget dans la famille. Donc, voilà.